Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Oui, vraiment, l'Évangile nous apprend que la connaissance de Dieu n'est pas théorique, mais bien de l'ordre de la relation. De l'ordre d'une relation d'amour de personne à personne. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai. Et celui qui nous permet de prendre conscience de cet amour de Dieu pour nous et de notre capacité à aimer, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Nous avons, toutes et tous, une certaine connaissance de Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre avec notre cœur la grandeur de ce message, à comprendre notre place au cœur de cet amour. Le rôle de l'Esprit Saint que le Père envoie au nom de Jésus va nous éclairer. L'Esprit Saint nous donne les clés pour comprendre. Il nous ouvre à l'intelligence du cœur. Il nous met en présence de Jésus et nous aide à comprendre le sens de ses gestes et de ses paroles. L'Esprit Saint est toujours de bons conseils. Il est éclairant. Il nous aide à y voir clair dans nos obscurités. Et puis, l'Esprit Saint nous fait découvrir que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes toutes et tous au cœur de son amour infini et miséricordieux. Oui, nous sommes au cœur de l'amour du Père et du Fils. Il nous ouvre à Dieu, nous ouvre aux autres. Voilà le chemin de la foi. Sur ce chemin de combat, l'Esprit Saint sera notre défenseur. Je dis chemin de combat parce qu'aimer, et aimer Jésus-Christ, aimer ses frères et sœurs est un combat. Pas facile d'œuvrer pour la justice et la paix dans ce monde. Pas facile de rester fidèle et confiant. On peut comprendre nos hésitations. Le travail de l'Esprit Saint est justement de faire disparaître nos peurs et nos hésitations, de réveiller notre audace pour la mission. Lui et lui seul peut nous revêtir de sa force pour ce combat. Apprenons avec patience à être dociles à l'Esprit Saint. Et puisqu'aujourd'hui c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne, je vous propose un petit extrait d'une lettre qu'elle a écrite à Raymond de Capoue. Se voyant tant aimé, l'âme ne peut s'empêcher d'aimer aussi. Et alors l'âme devient parfaite, car ce qu'elle aime, elle l'aime pour Dieu. Et elle n'aime rien hors de lui, et elle devient ainsi un autre lui-même par ce désir, car elle n'a pas d'autre volonté que celle de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.